Stéphane, tu m'as dit que l'on avait parlé d'une plante qui n'est pas à la mode. Pour toi, le fuchsia n'est pas à la mode. Mais ce qui n'est pas à la mode est à la mode, n'est-ce pas? C'est vrai. Moi, je trouve que ces fuchsias, nous avons été très très injustes avec eux parce qu'ils ont plein de qualités. Voilà, celui-ci grimpe au mur, par exemple. Tu vois, il s'appelle Fuchsia Regia Regi. Il fait des pousses de 2,50 m par an et il t'envahit un pignon en deux coulées gros. Donc quand t'as un mur moche, tu mets ça? Oui, surtout si ton mur est à l'ombre. C'est encore, il sera encore plus beau. Voilà, donc ça, je voulais te le montrer. Parce qu'il a des petites fleurs très délicates qui n'ont rien à voir avec ces espèces de jupons de cocotte du 19e siècle qui sont un peu l'apanage de l'horticulture française du 19e. Voilà, ça, madame, voyez-vous, avec ça... On voit bien le jupon, hein, de la cocotte. Voilà, c'est le jupon, comme ça. Effectivement, le problème des fuchsias, c'est que depuis quelques années, ils sont victimes d'une maladie qui s'appelle, c'est une bactérie qui s'appelle Aculope fuchsiae. Les feuilles se roulent, se tordent. Il n'y a qu'une chose à faire, arracher le plant, le brûler au fond du jardin. Je dis bien brûler. C'est la seule façon de détruire la bactérie. Cependant, son souci, c'est qu'au-delà de 25 degrés, il cesse de fleurir. Donc si tu le mets au soleil, eh bien à 25 degrés, tu y arrives assez rapidement. Donc ça veut dire qu'au printemps, il fleurit. Après, ouais. L'été, il fait trop chaud, hop, il arrête de fleurir. Est-ce qu'il peut refleurir, par exemple, en septembre? Ah ben évidemment, après, en septembre, il va refleurir à foison, jusqu'au gelé. Sauf que si tu le mets à l'ombre, s'il ne fait pas 25 degrés, il fleurit du printemps jusqu'au gelé. D'accord, ça peut être pratique si tu as un jardin un peu à l'ombre. Là, a priori, où des plantes n'arrivent pas à fleurir parce qu'il n'y a pas assez de lumière. Voilà, donc moi, pour ça, je l'aime. Et donc, je voulais simplement donner deux, trois petites indications autour des fuchsias. Je fais de la place parce qu'on va rempoter. Derrière toi, il y a des billes. Si tu veux bien en mettre un peu au fond. Hop, 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 parfait. Et là, un mélange. De terre. Moitié terre. Tiens. Ça vole, hein. Oulou. Moitié terreau. On mélange. Je te laisse faire. Oui. Quel vent aujourd'hui! Quel vent, quel vent, quel vent. Hop, c'est bon, je verse? S'il te plaît. Voilà. Madame. Madame. Votre nouveau logement. Rempoté. Voilà, rempoté. Bon, et pourquoi tu as cette cloche? Parce qu'en septembre, le fuchsia se bouture. Nous aurons besoin d'une soucoupe et d'une cloche. Donc tu prends une tige, ouais. A priori qui ne porte pas de fleurs, et tu coupes 1 cm en dessous un internœud. C'est là, hein, 1 cm au-dessus. D'accord. 1 cm au-dessous, 1 cm au-dessus. Voilà, ensuite tu peux éventuellement réduire certaines feuilles. Parce qu'elles vont de toute façon sécher. Il n'y a pas de racines, il ne faut pas que la plante transpire plus que de raison. Après, nous allons découper des petits cubes de 2,5 cm de côté dans cette mousse de fleuriste. Que tu trouves partout. Hein. Oh oui, oui, tu vas chez ton fleuriste, tu demandes, je voudrais de la mousse et tu l'as. Voilà. Voilà, on attend 2 minutes. Et là, on va piquer nos boutures? Pas directement. Il ne faut pas abîmer l'extrémité de la bouture. Donc, nos cubes sont imbibés d'eau. Je fais un avant-trou. Et tu peux glisser la petite bouture dans l'avant-trou. Voilà. C'est pas mignon, ça? C'est trop mignon. On a envie de les manger. C'est vrai. Hein. Donc là, on va pouvoir mettre un petit peu d'eau au fond de la soucoupe. Ok. De manière à ce que ce soit bien hydraté. Parfait. Et là, je mets une cloche. La cloche, c'est pour priver les boutures d'air, de manière à ce qu'elles s'enracinent plus vite. Dans 20 jours, c'est enraciné. Et après, tu fais quoi? Ah ben après, je vais les mettre dans des pots, en terre, avec le même mélange que celui-ci. Terre, terreau, par moitié. Dans un petit pot, chacun? Ou dans tout chacun, ensemble dans un, chacune dans un petit pot. Éventuellement, lorsqu'elles auront poussé, qu'elles seront à 10 cm, je couperai la tête pour qu'elles se ramifient. Et puis, lorsque viendra l'hiver, nous les mettrons à l'abri du froid, dans le jardin d'hiver ou dans l'atelier, ou éventuellement, lorsqu'elles auront perdu leurs feuilles, devant une fenêtre dans le garage, là où il ne gèlera pas. Parce que ces petites choses peuvent disparaître à moins 5 degrés. Très bien, on sait tout maintenant sur le fuchsia. Puis on l'aime.